Merci, mon pote. Alors, qu'est-ce que tu peux me raconter d'autre à propos de la mort de Dan? Ah, pas grand-chose. Ma mémoire, c'est plus ce que c'était. Tu ferais mieux d'aller parler à la femme de ménage. C'est elle qui a trouvé le corps. Elle doit être au Sam's Diner. C'est juste un peu plus bas dans la rue. Oh, tu peux pas le louper. Il était comment, ce Jordan? C'était un type bien. T'as vu tous ces slogans sur les murs? Les phrases de motivation? Joe y croyait vraiment. De la première à la dernière. Il jouait du saxo, c'est ça? Ouais, et plutôt bien. Pour un blanc. Et il a arrêté après la mort de sa femme. C'est un peu con, tu trouves pas? Je veux dire, le saxo, c'est un vrai aimant à poulette, alors pourquoi laisser tomber puisqu'il était à nouveau libre? J'ai trouvé une bouteille de vin vide sur le toit. Est-ce que Jordan buvait beaucoup? Il y a eu une période après la mort de sa femme, mais il a fini par arrêter. Après ça, je l'ai plus vu boire qu'en des occasions spéciales. Que peux-tu me dire à propos de Sonia Dunn? Sacré pépé, hein? Vous avez l'air de plutôt bien vous entendre, tous les deux. Bah, je la connais depuis qu'elle était bébé. Mais c'est vrai qu'elle a bien poussé depuis. Si tu vois ce que je veux dire. Je l'avais pas revue depuis son départ à l'université, il y a 4 ans de ça. La mort de son père n'a pas l'air de la peiner outre mesure. Elle aime bien se donner des airs froids et inaccessibles. Mais ça la rend encore plus attirante. Tu as une idée d'où Bobby Yale pourrait se trouver? Pas la moindre. J'ai été faire un tour à l'appartement de Bobby Yale. J'ai l'impression qu'il est en contact avec O'Leary, le bookmaker. Ah ouais? Yale a eu une mauvaise période, c'est sûr, mais donne l'a repris en main, il en a fait un type honnête. Je suis pas détective, mais à ta place, j'éviterai de suivre ce genre de piste. Si Yale se prépare à affronter le champion en titre, ça doit être plus qu'une star montante. Il a pas perdu un seul combat depuis qu'il est passé pro. Ce petit enfoiré m'a collé la pâtée il y a quelques années de ça. Tu m'as dit que Yale avait rejoint une bande à une époque. Tu te souviens de laquelle? Alors ça, j'en sais rien, John. On est à New York. Il y a plus de bandes que d'habitants ici. Tu connais un peu ses proches? Son père, Avenarius. Avenarius? Le poète boxeur? N'a-t-il pas disparu il y a plus de 20 ans? Ouais, et sa femme, la mère de Bobby, est morte peu de temps après. Don était devenu comme sa famille. Don n'était pas noir, mais il vous laissait vous entraîner ici, toi et Bobby Yale. Ouais, ça a dû être le premier gymnase intégré de toute la ville. Enfin, je crois. Ça n'a pas l'air d'avoir plu à tout le monde. T'es tombé sur les graffitis, c'est ça? Si je mets la main sur ce connard! Je vais te laisser continuer à t'entraîner. Ok. Ça sent la peinture.
Quelle bande de salopards. La fierté du Sud. Évidemment. Arthur Tucker a peint le graffiti raciste sur le casier de Yale. Une seule raison de pas te défoncer le crâne. Pourquoi tu viens fouiner dans mon casier? Je suis détective, c'est mon boulot. Ouais, et je croyais qu'on était amis aussi. Je me suis trompé. Lâche-moi. Va te faire foutre. Bon sang, j'avais oublié que Jake avait bossé pour Natalia. Voilà qui prouve que j'avais raison. Il est encore trop tôt pour aller de l'avant. Qu'est-ce que tu fais avec cette broche, Jake? Dans quelle merde es-tu allé te fourrer? Ok, Jake. Je t'ai dit! Desmond O'Leary. Hein? Je sais que tu bosses pour lui. Et d'où tu sors ça? Pourquoi tu dis ça? J'ai vu le trèfle dans ton casier. Je sais ce qu'il signifie. Ok. Mettons que ce soit vrai. Et alors quoi? Qu'est-ce que tu comptes faire? Hein? On est potes, je ne ferai rien. Mais s'il te plaît, dis-moi la vérité. Ok, j'imagine que j'aurais dû t'en parler. Les affaires marchent pas fort en ce moment. Natalia a été mon dernier boulot bien payé et ça commence à dater. Alors quand O'Leary s'est pointé pour me proposer un contrat de garde du corps, j'étais censé faire quoi?
Oui, je comprends. Ah bon? Je t'aurais pas cru du genre à accepter des offres douteuses pourtant. J'ai fait des trucs comme ça. Voire pire. Mais je n'en suis pas fier. Hé, O'Leary a peut-être monté une opération de paris illégaux. Mais c'est pas comme s'il butait des gens ou qu'il escroquait des veuves. Et je suis qu'un garde du corps, je suis là pour m'assurer que personne soit blessé. Tout ce que je fais, du contrat au chèque de paye, c'est 100% légal. En quoi ça pourrait poser problème? O'Leary te paye avec de l'argent sale. Et tu fais partie d'une organisation criminelle, c'est tout. Mais là n'est pas le souci. Je sais que tu couvres le rôle qu'a joué O'Leary dans la mort de Jordan. Hein? O'Leary? N'importe quoi! Enfin, je crois pas. Jake, s'il te plaît. Bon, j'imagine que ça sert plus à rien d'essayer de le cacher. J'étais là le jour de la mort de Dunn. Continue. J'avais des trucs à régler pour O'Leary. Il m'oblige à porter le trèfle quand je bosse pour lui. Comme tu le sais, j'avais laissé ce foutu truc dans mon casier. J'ai donc décidé de passer par la porte de derrière. Joe avait mentionné qu'il voulait peindre cet après-midi-là, mais j'avais oublié. Je me suis arrêté net en le voyant en train de hurler sur Bobby Yale du haut de l'échafaudage. Que disait-il exactement? Un truc du genre... Si tu fais ça, j'annule le match et je te vire de mon gymnase. J'avais pas envie qu'il me voie, alors je suis parti. Jack, pourquoi tu m'en as pas parlé? J'ai eu peur que tu m'en veuilles. T'avais tort. Je suis désolé. J'aurais dû t'en parler. Oui, tu aurais dû. J'espère que tu sauras te faire pardonner le moment venu. T'es dur en affaire, John. Mais ok. Bon, je vais y aller. J'ai besoin de réfléchir à ce que tu m'as raconté. Mademoiselle Dunn, puis-je vous poser quelques questions? Si cela peut nous aider à retrouver Yale, allez-y. Que pouvez-vous me dire à propos de Jake? J'avais cru comprendre que vous étiez amis. Je me suis trompée? Lui et mon père étaient amis. Pas la peine de chercher de ce côté. Vous vous entendez bien avec Bobby Yale? Ok, laisse tomber. Je n'en aurais strictement rien à faire si son stupide combat n'était pas censé sauver ce stupide gymnase. Ça vous va? Que pensez-vous de Marie, la femme de ménage? J'en sais rien, je la connais à peine. Et puis j'ai pour habitude d'éviter de porter un jugement trop rapide sur les gens. Vous entendiez-vous bien avec votre père? Disons que nos relations se sont améliorées après mon départ pour Sony University. À 8 heures de voiture d'ici. Et en clair? Vous voulez que je me montre plus clair, Monsieur Blacksad? Mon père, Joe Dunn, a disparu le jour où ma mère est morte. Il a été remplacé par un certain Joe Dunn, mon tuteur légal. Un homme qui m'a fourni un toit, à manger, des vêtements et une éducation. Voilà, vous en savez plus que nécessaire. Qu'y a-t-il dans ces papiers que vous êtes en train de consulter? De la paperasse. Super. Au cas où vous trouveriez quelque chose, faites-le-moi savoir. Je croyais que c'était vous, le détective. Faites votre travail et je m'occuperai du mien. Merci. Ce sera tout pour l'instant. Bon, j'ai bien pigé que vous ne m'aimez pas. Mais il y a une chose que vous devriez savoir. Je suis tout oui. Vous pouvez en être sûr, je vais retrouver Yale. J'en prends bonne note, Monsieur Blacksad.
Dunn conservait des fiches sur le personnel du gymnase et sur ses clients. Le nom, l'adresse et la date de naissance. Dunn avait une vue sympathique depuis son bureau. J'aimerais pouvoir jeter un coup d'œil à l'intérieur de ce coffre. Vous en avez la combinaison ? Ah, oh, j'aimerais bien. Avant, c'était la date d'anniversaire de ma mère. Mais j'ai déjà essayé sans succès. Pourriez-vous me donner votre date de naissance ? Bien sûr. C'est le 6 mars. Et l'année ? J'ai 24 ans, monsieur Blacksad. Faites le calcul. Une famille heureuse. Blacksad. Oh, je vous en prie, ne me dites pas que mon mari... Vous n'avez pas à vous en faire, madame Colbert. Alors faites-moi plaisir et profitez de la vie avec votre famille. Oh, Dieu merci. Merci, monsieur Blacksad. Marie Purnell, la personne qui avait découvert le corps de Joe Dunn, travaillait à deux pas du gymnase. Je sentais que j'avais une solution sous les yeux. Mais une solution à... Hé ! Regarde où tu vas, connard ! Je vais te coller mon poing dans la gueule ! Pardon, je suis vraiment désolé. Ça, tu peux l'être, Tarlouse. Et voilà pour vous. Vous allez nous manquer. Repassez vite au Sam's Diner. Bienvenue au Sam's Diner. Que puis-je vous servir ? Blacksad, détective privé. Je travaille pour Sonia Dunn. J'aurais besoin de vous poser quelques questions à propos de Joe Dunn. Oh, bien sûr. Mais enfin là, je travaille...
Peut-être plus tard. Je ne vois qu'un seul client installé au comptoir. Et il n'a besoin que de votre coopération. Très bien. Discutons encore un peu de Jordan. Pourriez-vous me raconter comment vous avez découvert le corps de Dunn ? Eh bien, je croyais que j'étais seule. Je passe nettoyer tôt le matin, avant l'arrivée de Monsieur Dunn. Vous avez donc les clés du gymnase ? Oui, évidemment. Il y avait de la peinture par terre, et je me suis dit que j'allais avoir pas mal de boulot. Et puis, je l'ai vu, pendu là-haut, comme un mobile au-dessus d'un berceau. Là, je crois que j'ai paniqué. Une fois un peu calmée, j'ai appelé la police et je suis sortie pour les attendre. Désolée, c'est tout ce que je sais. Ne vous en faites pas. Mais si quelque chose d'autre vous revient, pensez à m'en informer. Joe Dunn, c'était quel genre de patron ? Un bon patron. Il me payait toujours en temps et en heure. Il était toujours aimable. Lorsqu'il m'arrivait de prendre une journée, il s'occupait lui-même de nettoyer le gymnase. Comment était Dunn en dehors du travail ? Je ne saurais dire. Je ne le voyais qu'au gymnase, ou bien ici. C'était sa place. Je crois que tout le monde l'aimait bien, tous ceux qui l'ont rencontré. Merci, mais je ne comprends toujours pas ce qui a pu le pousser au suicide. Il avait peut-être simplement des problèmes d'argent. Je sais pas trop. C'est possible. Le gymnase n'était plus aussi sale qu'avant ces derniers temps. J'ai entendu dire que ses relations avec sa fille étaient loin d'être idéales. Ah bon ? Le pauvre. Je n'ai pas d'enfant, mais ça doit être vraiment difficile. Sa femme est morte il y a quelques années. Il ne s'en est peut-être jamais vraiment remis. Oui. Je sais pas. Ou peut-être que si. C'était il y a longtemps. Que pouvez-vous me dire à propos de Sonia Dunn ? Oh, je la connais à peine, mais elle m'a tout l'air d'être une fille intelligente. La pauvre petite. Que pensez-vous de Jake Osturmbe ? Qui ça ? Un gros gorille, boxeur lui aussi. Un ami de Jordan. Ah oui, je le connais à peine. J'aime pas trop sa façon de me regarder. Avez-vous une idée de l'endroit où pourrait se trouver Bobby Yale ? Comment pourrais-je le savoir ? C'est assez rare qu'il soit là quand je nettoie le gymnase. Bobby a l'air gentil, mais je le connais à peine. Pourriez-vous me parler un peu de votre travail ? Lequel ? Depuis combien de temps travaillez-vous au gymnase ? Ça doit faire quoi ? 4-5 ans ? En tout cas, je ne pense pas pouvoir un jour y remettre le pied. Ça doit être très dur pour vous. J'en suis navré. Parlez-moi de votre travail ici, au diner. Oh, c'est merveilleux ici. Vraiment, j'adore. Mon patron. Ah, tant mieux, tant mieux. En dehors du diner et du gymnase, vous n'avez pas d'autre travail, c'est ça ? Je n'aurai pas le temps. Enfin, je suis pas très sûre de vouloir continuer à travailler au gymnase. Vous devriez peut-être éviter de vous rendre au gymnase, du moins pendant un certain temps. Ce serait probablement mieux pour vous. Avec le temps, ça passera peut-être. Joey disait la même chose. Possible. Je sais pas trop. Merci. Pourrais-je avoir un hamburger, s'il vous plaît ? Bien sûr. Avec ou sans fromage ? Allez, je vais prendre un cheeseburger. Vous prendrez des frites ? Une boisson ? Non, ce sera tout. Sur place ou à emporter ? À emporter, s'il vous plaît. C'est parti. Un cheese à emporter, Sam.
Ouais, ça roule! Ils ont l'air gonflés et fatigués. Des insomnies, des journées épuisantes. À moins qu'elle n'ait beaucoup pleuré. Peut-être tout ça en même temps. Son écriture est propre et belle. Ça sent bon. J'en connais un qui va se régaler. Un parfum de cannelle. Non. De cannelle et de hamburger.